Qui peut venir ici à une heure pareille? Personne ne sait la vérité à propos de cet endroit. Je veux te parler, Abby. Mais moi, je veux pas te parler, alors va-t'en d'ici, s'il te plaît. Non, je t'en prie, ne me repousse pas. Écoute, c'est très important que nous parlions. Je suis venue ici pour te dire la vérité, je t'en prie. Et pourquoi devrais-je t'écouter, hein? Puisqu'il n'y a plus rien entre nous maintenant, alors pourquoi je devrais t'écouter, moi, hein? Dis-moi, toi, tu m'as envoyé les papiers du divorce après ton départ, n'est-ce pas? Et tu as anéanti notre mariage, Bragia, là, voilà la vérité. C'est toi qui as fait le premier pas pour notre rupture et... Et je ne fais que suivre jusqu'au bout. Va-t'en d'ici, je veux pas te parler, Braga. Je t'en prie, ne fais pas ça. Même le Tout-Puissant donne des secondes chances. Je ne veux pas te parler, Braga. Abby, non, je t'en prie. S'il te plaît, Abby, tout n'est pas fini entre nous. Nous pouvons encore sauver notre mariage. Si seulement tu fais un effort, je t'en supplie. Je t'en prie, écoute-moi rien qu'une fois. Allez, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Je ne partirai pas, tu m'entends? Je ne partirai nulle part, tu m'as entendu? Je ne partirai pas d'ici tant que je ne t'aurai pas dit la vérité, c'est compris? Je vais rester debout dehors sous la pluie jusqu'à ce que tu finisses par m'écouter. Et quand... Non, je n'irai nulle part. Qu'il pleuve ou qu'il vente, je t'ai dit que je n'ai pas partir d'ici à vie, peu importe si j'en meurs. J'ai fait une erreur en partant la dernière fois et je ne la répéterai pas deux fois. Je vais te dire la vérité maintenant. J'ai des preuves avec moi et je ne partirai pas tant que je ne t'ai pas dit la vérité, Abby. Regarde-moi, Abby, rien qu'une fois et laisse-moi te dire ma vérité, s'il te plaît. Oui, écoute-moi rien qu'une fois. Je t'en prie, Abby. T'en prie, écoute. Écoute-moi une fois, rien qu'une fois, c'est tout. Ensuite, j'accepterai toute décision que tu prendras. Si tu veux toujours rompre après cela, tu pourras le faire. Mais Abby, je t'en prie, écoute-moi donc pour une dernière fois. Je t'en prie, écoute-moi rien qu'une fois. Merci de m'avoir donné une autre occasion. Je sais bien que même si tu es en colère contre moi, je ne peux pas me voir souffrir, Abby. Mais peu importe, je vais te dire la vérité parce que ce que j'ai à te dire n'est pas juste important pour moi, Abby, mais pour nous deux. Une fois que tu sauras la vérité, tu vas... Oh, tais-toi!
Je ne t'ai pas fait entrer dans la maison pour écouter ta vérité, ni pour te donner une nouvelle occasion. Je t'ai déjà dit que la vérité et les preuves que tu crois détenir en ta possession n'auront aucun effet sur moi. Quand quelqu'un te brise le cœur, tu souffres silencieusement. Et une fois que ton cœur est totalement brisé, plus personne ne peut t'atteindre. Alors cesse de plaider, de supplier, de pleurer, ainsi cela ne fait aucun effet. Mais Abby... Arrête ! Je t'ai laissé entrer, mais ça ne veut certainement pas dire que je t'ai pardonné, Praga. Je ne t'ai pas laissé entrer parce que tu es mon ami. Ni par amour, ni même par amitié. C'est par pitié que je t'ai permis d'entrer dans cette maison. De surcroît, je n'ai pas fait cela pour toi, mais pour ta mère, Sarla Praga. Car je sais très bien à quel point cela va l'affecter si jamais il t'arrive malheur. Elle a déjà perdu une fille et je sais très bien qu'elle ne pourra pas supporter de perdre son autre fille, Praga. Et je sais parfaitement ce que l'on ressent lorsque... lorsqu'on perd un enfant qu'on aime. Assez. Je vais appeler ta mère maintenant et lui demander de venir te récupérer et t'emmener loin d'ici. Et si t'arrive quelque chose par la suite, eh ben je m'en moque royalement. Praga ? C'est Abby à l'appareil. Abby, c'est toi. Praga a quitté la maison pour venir te rencontrer, mon fils. Elle est avec toi, n'est-ce pas ? Elle est ici, ma tante. Dans ma maison à Lunavala. Je vous en prie, venez la prendre et la ramener. Quoi ? Qu'es-tu en train de dire, mon fils ? Que je devrais reprendre Praga ? Pardon ? Oh, mais... est-ce que Praga va bien ? Oui, elle va bien, ma tante, mais moi, je ne vais pas très bien. Aussi longtemps qu'elle restera ici, je n'irai pas bien. C'est pourquoi je vous demande de venir la chercher. Laisse-moi parler à Praga. Passez le pas. Cela ne sert à rien. Tout est fini maintenant, Praga. C'est fini maintenant. Nos liens sont complètement brisés. Il y avait un moyen de combler le fossé entre nous, mais il n'existe plus. Personne ne peut plus nous réunir maintenant. Aucune vérité, aucune évidence, rien du tout. Tout est fini. Tout est fini. Sarla ? Où est-ce que tu vas à cette heure tardive ? Maman, j'ai reçu l'appel d'Abby. Praga est avec lui dans sa maison de vacances de Lunavala. Et maman, il veut que je vienne récupérer Praga là-bas. Mais je ne comprends pas pourquoi Praga ne m'a pas encore appelé. J'espère qu'ils ne sont pas en train de se disputer. Maman, je vais aller là-bas en taxi. Et je vais ramener Praga à la maison. Attends hein. Un peu, Sarla. Tu n'iras pas là-bas. Et maintenant, tu vas m'écouter, ma fille. C'est une occasion vraiment très rare pour eux. D'être seuls tous les deux. Et même Tanu n'est pas là-bas. Réfléchis. Ils sont seuls tous les deux. Il se pourrait que cette nuit que nous sommes en train de maudire va apporter une nouvelle aurore plus optimiste dans leur vie. Réfléchis. Ils sont seuls tous les deux. Et en plus, il pleut. Cela crée une certaine ambiance et une atmosphère, non ? Oui, Sarla. Grand-mère a absolument raison. C'est possible que les choses empirent et qu'ils commencent encore plus à se disputer qu'ils ne le faisaient avant. Ils se sont déjà battus et rompus, Sarla. Que pourrait-il se passer de pire ? Nous ne devrions pas penser à de mauvaises choses, Sarla. Nous devrions penser à les réunir tous les deux. Et c'est peut-être la soirée que nous attendions tous depuis tellement longtemps, mon enfant. Rachna, je suis mort d'inquiétude au sujet d'Abby. Je me demande bien où il se trouve et comment il va. Il est parti dans un excès de colère et... il était si triste, mon pauvre enfant. Mais grand-mère, si tu commences à t'inquiéter, ça va faire monter ta pression artérielle en flèche. Et pour Abby lui aussi aller le chercher. Je suis certaine que nous aurons des nouvelles, grand-mère.
Abby m'appelle. Oui, Abby, comment vas-tu, mon fils ? Je vais très bien, grand-mère. Mon fils, dis-moi, où es-tu en ce moment ? Et pourquoi es-tu parti sans rien me dire ? Je n'arrive pas à te joindre au téléphone. Tu devrais rentrer tout de suite ici. Qu'importe où tu es. Non, grand-mère, je ne pourrai pas rentrer maintenant. Je vais aller à Delhi pour signer un contrat et... Et je reviendrai demain, d'accord ? Et peut-être que tu pourras me joindre au téléphone aussi, n'appelle pas. Je t'appellerai lorsque je reviendrai à Mumbai, d'accord ? Attends une minute, mon fils. Est-ce que tu as vu Pragya ? Est-ce qu'elle t'a téléphoné ? Non, grand-mère, je ne sais pas du tout. Où se trouve Pragya ? Et je ne veux pas le savoir non plus. Au revoir, grand-mère. D'accord. Pourquoi lui as-tu menti ? Pourquoi ne pas lui avoir dit que nous sommes ensemble ? Je ne voulais pas que grand-mère sache que tu es avec moi, Pragya, c'est tout. Nous ne sommes pas vraiment ensemble. Nous sommes ensemble à un endroit, mais nous ne sommes pas ensemble, toi et moi. En fait, maintenant que j'y pense, j'ai réalisé que nous n'étions jamais ensemble. Alors, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Laisse-moi donc tout seul. J'ai même plus envie que tu sois là, comme ça. Parce que ça me fait beaucoup trop de mal de te regarder. Je ne sais pas comment te dire que ce n'est pas la vérité. Si seulement tu m'écoutais rire. Mais qu'est-ce que tu fais ? Prends cette couverture. Tiens, tu pourrais attraper froid, sois pas fâché contre moi au point où... Je t'ai pas permis d'entrer dans ma maison pour que tu me donnes des ordres. Je ne suis pas en train de te donner des ordres, je suis en train de prendre soin de toi. Tu n'as aucun droit de prendre soin de moi ou de me parler d'une quelconque façon, Pragya. Nous n'avons pas de médicaments ici. Je vais t'apporter quelque chose de chaud à boire. Tu devrais boire cette tisane rapidement et... Abby ? Abby ? Je t'en prie. Réveille-toi, Abby. Réveille-toi, Abby. Abby, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu es ? Réveille-toi, Abby. Ouvre les yeux. Je t'en prie, réveille-toi. Je suis pas mort, je suis encore vivant, tu vois pas ? Je t'ai fait une tisane, ce n'est pas celle. Ta grand-mère te fait d'habitude. J'ai fait ça avec les ingrédients disponibles en cuisine. Tu as de la fièvre. Tu sais que d'habitude, quand tu as de la fièvre, elle reste avec toi pendant quelques jours. D'accord, ne t'en fais pas. Bois cette tisane. Nous irons voir le médecin demain. Que je sais que j'ai fait une erreur, Abby. Si je n'avais pas quitté la maison, tu ne serais pas venu ici. Si tu n'étais pas venu ici, tu ne serais pas tombé malade. Je le sais bien que nous allons nous séparer dans quelques jours. Mais je ne peux ignorer ton état aussi longtemps que tu es près de moi, Abby. Il n'y a aucune autre raison. Quelle autre raison y aurait-il ? Tu viens tout juste de me dire. Il n'y a dorénavant plus aucune relation entre nous. Que tu ne veux conserver aucun lien avec moi. Que tu ne veux pas écouter ce que j'ai à te dire. Que tu ne veux pas voir. Les preuves que j'ai et que tu refuses catégoriquement de voir. Bois cette tisane, d'accord ?
Qu'est-ce qu'il y a? Tu en as jeté sur ta main? Laisse-moi voir, tu ne peux même pas boire une tisane. C'est pas tombé sur ma main, mais la tisane était très chaude, en fait. Elle m'a brûlé la bouche. Grand-mère? Oui? Abby a-t-il appelé grand-mère? As-tu des nouvelles de lui? Oui, il m'a appelé pour Ab. Il m'a informé qu'il se rendait à Delhi et qu'il allait signer un contrat, apparemment. Dieu soit loué, au moins il t'a appelé, grand-mère. Mais est-ce que t'as des nouvelles de Pragya, grand-mère? Sais-tu où elle se trouve? Aucune nouvelle de Pragya. Mais je pense que Sarla doit le savoir. Bien, attends, je vais l'appeler tout de suite. Allô? Oui, bonjour. Navré de... Vous dérangez si tôt le matin, Sarla. Pour dire la vérité, Sarla, j'étais vraiment inquiète pour Pragya, vous savez. Je ne sais pas où elle est, si elle va bien. Je n'en ai aucune idée. Je sais qu'elle est dans la maison de vacances d'Abby à Lunavala. Je vois, Pragya est donc là-bas. Est-ce que ça va? Non, tout va bien, rassurez-vous. Je vous parlerai plus tard, Sarla. D'accord? Non, attendez. Oh, mais... Pourquoi a-t-elle raccroché si rapidement? J'ai oublié de lui dire qu'Abby était avec Pragya à Lunavala, dans la maison de vacances. Ce n'est pas bien grave, je vais le lui dire quand elle me rappellera. Alors dis-moi, grand-mère, que t'as dit ma tante? Sarla a dit que Pragya était dans la maison de vacances que nous avons, hein, à Lunavala. Quoi? Comment ça, Pragya est dans la maison d'Abby? Mais si Abby est à Delhi, grand-mère, que fait Pragya dans la maison à Lunavala? Abby est à Delhi, et Pragya est à Lunavala. Cela veut dire qu'ils ne se sont pas rencontrés. C'est extraordinaire. Je dois annoncer cette superbe nouvelle à Nikhil et Alia. Elle a cru que puisqu'il n'était pas ici, il devait être à Lunavala. Oui, grand-mère, c'est fort possible. Parce que hier au téléphone, Pragya m'a dit qu'elle savait où était Abby et où le trouver. Grand-mère, as-tu un numéro de ligne fixe pour la maison de Lunavala? Vérifie, je t'en prie. Le numéro du fixe, hein? Alors, il m'avait fait le noter quelque part. Je crois bien que je l'ai noté quelque part dans mon agenda. Retrouve-le, s'il te plaît. Et dès que tu l'auras obtenu, appelle-moi sur mon téléphone pour me le communiquer, d'accord? Et où est-ce que tu vas? Grand-mère, je me rends à la maison de Lunavala. Quand Abby reviendra de Delhi et que Pragya lui dira la vérité sur Tanu, je pense que je devrais être avec Pragya à ce moment-là. Nous n'aurons pas de meilleure chance pour exposer la vraie nature de Tanu. Je pense que c'est une superbe occasion de soutenir les dires de Pragya devant Abby. Je m'en vais, s'il te plaît, envoie-moi le numéro dès que tu l'auras trouvé. Oui, d'accord. Oui, Alia, qu'as-tu appris, dis-moi? Qu'est-ce que j'ai appris? Ma belle, le haut-parleur. Mais qu'il est-il avec toi? Oui. Je suis sûre qu'il est venu te voir parce qu'il ne sait pas où se trouve Abby ni Pragya en ce moment, je me trompe? Ah, vraiment? Et qu'as-tu appris, toi, dis-moi? Qui t'a dit que je ne savais rien du tout? Je viens d'entendre la conversation de grand-mère et de Kourab. Je les ai entendus dire qu'Abby est partie pour Delhi. Pragya n'est pas chez sa mère. Elle attend Abby en ce moment dans la maison de vacances à Lunavala. Mais le fait est qu'ils ne se sont toujours pas rencontrés tous les deux. Abby n'a toujours pas vu le film et nous sommes en sécurité. Alia, il nous reste encore une chance. Et on se doit d'être efficace. Tanu, rends-moi un service. Viens à mon hôtel le plus vite possible, nous y sommes en ce moment même. D'accord, je serai là bientôt. Au revoir. Mais pourquoi je n'arrive pas à joindre Pragya? J'essaie depuis longtemps. Ghanshyam! Ghanshyam! Mais où étais-tu? Je dois aller à l'hôtel d'Alia, dépêche-toi! Alia? Quoi? Alia est en Inde? Et pourquoi Tanu va-t-elle la voir dans son hôtel? Est-ce qu'Alia est de mèche avec Tanu et Nikhil dans leur complot? Peut-être qu'elle est impliquée dans tout ceci. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Peu importe. Mais je dois en savoir un peu plus sur cette histoire. Pourquoi agit-elle ainsi? Je lui ai déjà dit quelle était ma décision. Elle a quitté la maison et a clairement fait savoir ce qu'elle pensait alors. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle agit ainsi? Pourquoi s'occupe-t-elle autant de moi depuis hier soir? Est-ce qu'elle veut vraiment me dire sa version de la vérité ou bien c'est autre chose? À quoi peut-elle penser? Qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête? Je ne comprends vraiment plus. Quand elle va revenir, je vais lui demander franchement ce qu'elle veut réellement.
Attends, il y a du verre là. Bon sang, qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi là. Doucement. Tu peux pas regarder où tu marches, t'as marché directement sur les éclats, Praga. Vois un peu comme tu saignes du pied maintenant. J'espère que tu ne t'es pas blessé par exprès, Praga. Pourquoi est-ce que tu me fixes? Tu veux que je pense tes blessures et que je prenne soin de toi, n'est-ce pas, maintenant? Tout comme toi, tu as pris soin de moi hier. Parce que tu as toujours un motif derrière toutes tes actions et je ne sais pas pourquoi j'agis comme je le fais, mais je me demande si je devrais t'aider, en fait. Ne fais rien. Je peux prendre soin de moi toute seule. En effet, je vois que tu peux. T'es encore en train de saigner du pied. Applique une pression ici et tiens ça là. Ne lâche pas tant que ça ne cesse pas de saigner. Ta mère t'a donc jamais appris à forcer une blessure, Praga. C'est fou quand même. Et ta grand-mère ne t'a pas appris qu'il ne faut pas gronder une personne qui est blessée. Je devrais te gronder. Pourquoi t'es aussi insouciante, dis-moi? Laisse mon pied tranquille, s'il te plaît. Cesse de bouger, donne-moi ce pied. Tu ne m'as pas entendu. Pourquoi fais-tu ça? Hier soir, quand j'essayais de te soigner, tu as dit qu'il n'y avait plus aucune relation entre nous. Quelle différence cela fait-il que je me blesse ou que je saigne? Pourquoi t'occupes-tu de moi? S'il te plaît, ne dis pas que tu l'as fait pour ma mère. Si toi, tu peux dire que tu t'inquiètes pour moi à cause de ma grand-mère, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas faire la même chose pour toi, Praga? Dis-moi. Ta maman sait que tu es avec moi dans cette maison de vacances, alors. Si elle voit que tu t'es blessée, elle pourrait bien penser que c'est moi qui t'ai fait du mal. C'est pour cette raison-là, c'est tout. Voilà. Combien de mensonges diras-tu? Combien de temps vas-tu prétendre la rupture? Tu sais toi aussi que nous n'allons pas nous séparer parce que tu ne veux pas rompre. Il y a quelque chose qui nous garde ensemble et qui nous empêche de nous séparer, Abby. Et tant que nous n'allons pas chacun de notre côté, nous resterons toujours. Il n'y a rien entre nous. C'est seulement ton imagination. Donne-moi ton pied. Tout comme les malentendus sont effacés pour moi, tu devrais toi aussi effacer tous ces malentendus. N'ajoute pas mes soucis, s'il te plaît, et sache que je ne veux plus parler de toutes ces choses maintenant. Pourquoi tu ne comprends pas que c'est primordial d'effacer nos malentendus? Pourquoi n'acceptes-tu pas que tu peux rompre ton mariage avec moi, mais que tu ne peux pas te débarrasser des sentiments que tu as pour moi? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis en train de dire que ta douleur ne fera que s'agrandir. Plus tu essaieras de la dissimuler, Abby, ta peine va diminuer quand tu auras les réponses à ces questions que tu te poses. J'ai aucune question en tête. C'est faux! Tu te poses des questions et tu es aussi amoureux de moi. Et même si ce n'est pas de l'amour, il y a bien d'autres sentiments que tu éprouves pour moi, n'est-ce pas? Une fois que tu te rendras compte, tu vas tout réaliser. Et toutes les questions que tu te poses vont avoir leur réponse, Abby. Il n'y a aucun sentiment, c'est tout. Si tu ne ressens rien, alors donne-moi une chance. Donne-moi juste une chance. Bon, d'accord, je vais accepter que nous n'avons aucun lien qui nous relie. Et que je n'ai aucun droit sur toi. Je te demande seulement de m'accorder une chance. Je t'en prie, écoute-moi juste une fois. Rien qu'une fois, Abby. Je t'en supplie. Qu'est-ce que tu veux donc dire? Que tu es honnête et totalement innocente? Que tu n'as rien fait de mal? C'est Tanou qui a tout manigancé? C'est une menteuse qui a aussi fait parler de faux témoins contre toi, non? Tu veux dire que tu es honnête, mais j'ai déjà entendu tout ça, en fait. Est-ce que ça va durer longtemps? Je ne dirai pas un mot. Cette fois, je vais te montrer quelque chose, c'est tout.
C'est une vérité qui aurait pu prouver ma vérité. Il n'y a rien qui en reste. Je ne pourrai plus jamais prouver ma vérité maintenant. Je ne peux même pas sauver notre mariage désormais. Notre mariage est vraiment ruiné désormais, tout comme ses preuves. Arrête ça! Et cesse de pleurer à chaque fois, Paga. Combien de comédies vas-tu me jouer? Le plus tu essaies de m'expliquer ta soi-disant vérité, le plus je suis irrité. Bon, puisque tu es ici pour me dire quelque chose, je vais te laisser parler, mais laisse-moi te dire que tes mots n'auront aucun effet sur moi. Alors dis-moi simplement ce que tu dois dire et va-t'en d'ici. C'est tout ce que je voulais. Je voulais te dire la vérité. À défaut d'autre chose, tu aurais appris toute la vérité, Abby. Et j'ai caché cette vérité à l'intérieur de moi depuis si longtemps maintenant. Je croyais vraiment qu'un jour ou l'autre, j'allais te prouver mes dires, Abby, mais je n'avais pas idée que j'allais être aussi alourdie par la vérité, que je n'aurais pas pu maintenir le lien qui nous unissait ni notre mariage à tous les deux. Je suis venue ici simplement pour te dire que je n'ai pas assassiné l'enfant de Tanou, crois-moi, que je n'ai rien planifié de tel, que je n'avais aucun plan pour blesser son enfant. En fait, c'est Tanou qui voulait me tuer. Parce qu'elle savait que j'allais te dire que depuis tous ces mois, elle n'était pas enceinte de ton enfant, mais que c'était l'enfant de Nikhil. C'est quand j'étais en train de venir t'en parler qu'ils ont tenté de me tuer avec leur voiture. J'ai pu m'esquiver et Tanou et Nikhil ont eu un accident de voiture. Je n'ai jamais essayé de tuer son enfant, Abby. L'enfant est mort parce que Tanou a fait une erreur. Et j'ai essayé de mon mieux de sauver la vie de cet enfant, crois-moi. J'ai emmené Tanou à l'hôpital le plus vite que j'ai pu, mais il était déjà trop tard pour cet enfant. Je voulais tout te raconter quand nous étions à l'hôpital, mais tu étais tellement anéantie parce que l'enfant est mort et je ne voulais pas rajouter à ta douleur, tu comprends? Waouh! Et l'Oscar du meilleur scénario va maintenant à Pragya Awa. Waouh! Tu as inventé là une superbe histoire. Tu as beaucoup trop de talent. Pragya, tu es bien trop doué. Tu as pris des bribes de chaque situation et tu t'en es servi pour monter cette histoire, pour finir en apothéose, n'est-ce pas, Pragya? Pragya, si quelqu'un avait entendu ton histoire maintenant, je crois bien qu'il t'aurait cru, mais moi je ne suis pas si crédule. Sais-tu pourquoi? Est-ce que tu le sais? Parce que j'ai déjà entendu cette histoire venant de toi. Tu sais ce que je trouve étrange dans les propos que tu m'as tenus, Pragya. Tout d'abord, quand tu m'as quitté pour la première fois, tu m'as dit que tu le faisais pour le bien-être de mon futur enfant, Pragya, n'est-ce pas? Que tu étais prête à sacrifier ta vie pour qu'il puisse avoir une meilleure vie, que tu renoncerais à tous tes droits pour protéger ceux du bébé. Bref, tu m'as signifié que tu me quittais pour que je sois plus heureux. La deuxième fois que t'es parti, tu as clamé une nouvelle fois que tu me quittais pour toujours que je sois plus heureux dans ma vie. Alors, dis-moi maintenant, Pragya, serait-ce une petite coïncidence ou bien un complot contre moi? Tu sais quoi, Pragya, tous ceux qui vont t'écouter vont pleurer, mais moi je ne vais pas pleurer jamais. Mais Abby, attends, laisse-moi finir. Lorsque tu m'as quitté, Pragya, j'avais l'impression que tu faisais tout cela de manière altruiste pour mon bébé, pour qu'il puisse hériter de mon nom et que son avenir soit enfin assuré. Et j'ai commencé à te respecter davantage et mon amour pour toi n'a fait que grandir. Tu as commencé à beaucoup me manquer, tu sais. Je souhaitais toujours te voir revenir dans ma vie, Pragya, et j'ai même prié le Très-Haut pour la première fois afin qu'il te fasse revenir rapidement dans ma vie, tu comprends? Je voulais que ça. Et t'es revenu, mais pour me dire que tu n'étais pas seulement séparé de moi par le nom, mais que tu m'avais fait signer tous les biens que j'avais à ton nom. Je crois que tu te rappelles comment ça s'est passé. C'est toi qui as tout signé et a tout mis à mon nom. Tu es venu me dire que ce que je prenais pour un sacrifice de toi n'était en fait
qu'une tromperie et une trahison venant de toi. Tu as fait de moi ton employé et tu as fait travailler toute ma famille comme tes domestiques, Pragya. Ensuite, j'ai réalisé que tu m'avais épousé juste pour mon argent et pour la richesse que j'avais. Pour mettre le grappin sur mon argent, la compagnie, mes droits d'auteur et mes propriétés, tu as été absolument prête à tout faire. Quand tu as découvert que Tanu était enceinte, tu t'es servi de ce fait comme d'une opportunité, n'est-ce pas, Pragya? La voilà l'ultime vérité, Mademoiselle Pragya Aura. Car ta vie est l'unique témoignage de la vraie vérité. Tout le monde sait très bien ce que tu m'as fait. Mais peux-tu bien me dire ce qui t'est arrivé, hein, Pragya? Qui peut le savoir, hein? Personne ne peut le savoir. Parce que tout n'était que mensonge. Tout n'était que mensonge. La vérité, c'est que tu m'as toujours trompé en te servant de la parade de l'amour et de la confiance à tel point que tu n'as même pas eu assez d'humanité pour épargner ma grand-mère. Elle t'a aimé comme sa propre fille. Elle t'a jamais traité comme sa belle-fille. Tu n'as même pas écouté ta mère uniquement pour de l'argent, Pragya. Et tout dans ta vie n'était que mensonge. Tu es en train de vivre un mensonge. Ton alliance, ses signes à ton front et à ton cou, tout ça n'est que mensonge. Non, mon amour pour toi n'est pas un mensonge. Mon amour n'est pas un faux-semblant. Je peux accepter tes autres accusations, mais je n'accepterai pas que tu dises que mon amour pour grand-mère et toi est faux. C'est à cause de mon amour pour toi que je suis revenue. Parce que je ne peux pas vivre sans toi, parce que sans toi je n'existe pas. Je n'ai aucune identité. Et je ne l'ai pas réalisé quand je me suis éloignée de toi. Ce dont je me suis rendu compte en partant loin de toi, c'est qu'une personne qui a du succès a beaucoup d'ennemis, beaucoup plus qu'il n'en peut compter lui-même. Je suis revenue parce que je voulais te protéger de ces gens-là. Il y avait quelqu'un de ta famille qui voulait se venger de toi à vie. Une autre voulait te détruire complètement. Une autre voulait t'approprier ton argent. Et une autre qui voulait nous séparer tous les deux. Je voulais empêcher que tu ne sois détruit à vie. J'ai accepté de tout prendre, tout ce que tu possédais, parce que je ne voulais pas qu'ils te volent tous tes biens. Je me suis changée. Et j'ai imité tes ennemis parce que, pour vaincre le feu, il faut combattre le feu par le feu et être méchant pour vaincre les méchants. Je n'ai aucun ennemi, Pragya. J'ai seulement ma famille, mes amis proches et mes fans, Pragya. Je ne savais qu'aimer, c'est tout. Et je n'ai rien su au sujet d'ennemis que j'étais censé rencontrer dans ma vie, tu vois. Depuis que t'es entré dans ma vie, Pragya, c'est là que j'ai vraiment réalisé ce qu'était un ennemi, tu comprends? Tu es encore en train d'inventer une histoire. Tu es revenu parce que tu es habitué à mener une vie de luxe maintenant. T'as eu beaucoup de facilité avec moi et t'as pas voulu les abandonner, c'est tout. Tu es même allé au-delà de cela. Tu ne voulais plus défendre des autres pour maintenir ton style de vie luxueux, non? Tu ne tenais pas à mendier devant qui que ce soit, n'est-ce pas? Cela n'est pas vrai. Je peux vivre sans tout ce luxe et sans l'argent. Tu es la seule personne sans laquelle je ne peux pas vivre. C'est aussi pour cette raison que je n'ai pas supporté de te voir si injustement traité. Je t'en prie, cesse de faire semblant. Tous tes pleurs ne vont pas changer le mensonge en vérité, Pragya. L'amour peut tout changer, Abby. Je suis venue te retrouver avec cet espoir et cette pensée que notre amour pourrait changer nos vies. Mais nos ennemis ont jeté le mauvais œil sur notre amour. Tu ne comprends rien. Assez! Il faut que tu m'écoutes maintenant, Abby. Je vais tout te dire à présent. Du début, puisque je me souviens de chaque jour. Je me rappelle de chaque jour et de chaque moment où j'ai dû interpréter le rôle de ton ennemi, Abby. Et comment c'était une véritable punition pour moi. Alors que je connaissais toute la vérité, mais que je ne pouvais te la dire. Je voyais la haine pour moi dans tes yeux chaque matin. Tu ne peux même pas t'imaginer combien ma vie était difficile. Et c'est vrai que j'ai quitté la maison familiale parce que je pensais sincèrement que Tanu allait devenir la mère de ton enfant. Qu'elle t'aimait vraiment et que peut-être vous devriez être ensemble tous les deux. Je me suis dit que Tanu te donnerait peut-être l'amour que moi je n'ai jamais pu te donner. J'ai pensé que je devrais partir de la maison puisque c'était dans l'intérêt général. C'est pour cette raison que je suis partie. Je vivais seulement de mes souvenirs et c'était vraiment très dur pour moi. Ensuite, un jour, j'ai appris que tu étais prêt à épouser Tanu.
et que tu allais te fiancer avec elle. J'ai beaucoup pleuré, mais j'étais contente que tu aies enfin une vie qui soit plus stable. Et ce jour-là, je suis venue chez toi pour vous féliciter tous les deux. Quand je suis arrivée, j'ai été chercher, mais je n'ai pu te trouver, mais j'ai vu Tanou là-bas. Mais avant même d'avoir pu la féliciter, je l'ai entendu parler au téléphone avec une personne ce jour-là. Oui, oui, je le sais bien. Kaby ne sait pas la vérité sur ce bébé. Mais tu sais bien, n'est-ce pas, Kaby est amoureux de moi et que nous allons bientôt nous marier. Est-ce important si cet enfant est le tien ou celui d'Abby? Quand j'ai entendu ça, j'ai pris peur. Car pour tout te dire, je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Je voulais venir te voir tout de suite afin de tout te raconter. Je suis venue à ton bureau pour te trouver, mais quelqu'un d'autre était assis à ton bureau à parler au téléphone. Oui, exact, je suis dans ton bureau. Et avec ton aide, je vais graduellement ruiner sa réputation d'artiste professionnel. C'est là que j'ai réalisé que les deux personnes avec lesquelles j'avais confié tant de bien-être étaient en fait tes pires ennemis sous tapis. L'une d'entre elles était ta sœur Alia qui voulait tout te prendre. Et Tanou, qui avait menti pour nous séparer et qui voulait t'épouser à n'importe quel prix. Tu sais, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. J'étais seulement cherché toi. Je voulais te rencontrer, je marchais dans la rue sans vraiment faire attention de ce qui se passait autour de moi. Et une voiture m'a renversée. Même quand j'étais à l'hôpital dans la salle des soins intensifs, j'étais toujours en train de prier pour pouvoir te dire la vérité si jamais tu venais me rencontrer. Mais tu n'es jamais venue. Grand-mère est venue me voir, je lui ai tout raconté. Grand-mère a eu très peur elle aussi. Mais ensuite, elle m'a bien encouragée à protéger mon mari des griffes de ses ennemis afin de pouvoir te reconquérir à nouveau. Nous avons réalisé que ce n'était pas une tâche aussi facile à faire. Que nous devions rassembler des preuves solides et concrètes contre elle parce que tu ne croirais pas si facilement à Abby. Que cela prendrait du temps pour réunir toutes les preuves. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était nécessaire de protéger tes biens avant de te protéger toi, de tes amis, parce que c'était de là dont elle voulait s'accaparer. Que nous devrions te séparer de Tanou avant de nous remettre ensemble. Et c'est pour cela que je me suis transformée en une autre personne. Je suis revenue comme le patron de la maison et non la belle-fille, afin que Tanou et Alia ne puissent m'empêcher de rester. Je t'ai envoyé les papiers de divorce à signer, mais grand-mère s'est servie de la procuration pour me donner tous tes biens. Ainsi que les propriétés qui étaient à ton nom, Abby. Et puisque toute ta richesse était à mon nom, alors je pouvais empêcher Tanou de t'épouser, voilà. J'ai pris le contrôle de toute la maison pour qu'Alia et Tanou soient forcés d'écouter tous mes ordres, tu vois. Mais je n'ai jamais importuné grand-mère, Abby. Et même si je suis revenue en tant que patron, j'ai toujours traité ta grand-mère comme ma propre mère. J'ai mis tout le monde au travail dans cette maison, tout le monde a dû bosser dur sauf grand-mère. Écoutez, vous devez garder l'autel religieux toujours en bon état. Assurez-vous que l'essence et des lampes pour les rituels religieux soient toujours disponibles chaque jour, toutes les deux. Grand-mère aussi. Grand-mère m'a toujours soutenue, même si elle devait rester aux côtés de la famille. Pour Abby aussi m'a soutenue dans ma mission. Il a fait de son mieux pour exposer la vérité sur Tanou devant toi. Et Boulboul, elle a oublié qu'elle avait une vie qui lui était propre et elle s'est mise à se battre pour la mienne. Ma petite sœur a perdu sa vie en tentant d'exposer la vraie Alia devant toi. Abby, la mort de Boulboul a été un très grand choc pour moi. Je voulais en finir avec tout ça et je me suis dit que j'étais en train de blesser ceux que j'aimais pour mon propre intérêt et que cette bataille était futile. Nous étions tous en train d'essayer de réunir des preuves pour te les montrer, mais ça nous échappait toujours. Parfois, elle se servait de sa grossesse pour s'en tirer ou parfois, elle se servait de ta naïveté. Je sais que tu es triste après tout ce qui s'est passé. Mais crois-moi, je suis aussi attristée que toi tu peux l'être, Abby.
いだろう。うわー、こんなに釣れたの？団地の裏の川で魚がいっぱい釣れるところ見つけたんだ。僕がね。ま、俺様の腕前があってのことだがな。昼飯食ったらまた行こうぜ。ドラえもん、僕たちも釣りに行こうよ。うん、楽しそうだもんね。お昼ご飯食べたら行こう。ダメです。どうしてさ。のびちゃんは道を歩いててもドブに落っこちる人なのよ。川に行くなんてとんでもない。確かに言われてみればママの言う通り。いっぺんでいいからじゃんじゃん釣ってみたいな。見たいよね。そうだ、あれがあったんだっけ。あれって、あ、お座敷釣り針。何それ。団地の裏の川は東へ800メートルほど、もうちょっと南かな。あ、髪が水みたいになった。川がこの部屋に来たんだよ。川が来たって、เปิดนี่ไปสักนิดหนึ่งขอโทษครับอะไรครับ piscado glitch ว่าดิมันต์ไม่ได้นะเว้ย piscado glitch a única coisa que eu não quero glitch é diamante e esmeralda. É, eu fiz lá, Eduardo, deixei pronto, mas tem que fazer o esquema de matar agora. Não sei fazer o esquema de matar lá já. Tem que matar, deve fazer o esquema. Eu não sei como que é o esquema lá. Já tá pronto lá embaixo lá, só falta o abatedouro. HD não pode ter nenhum quadrinho vermelho. Isso aí é bad, mano. Bad quando chegar nesse setor aí. Quando passa nesse bagulho vermelho aí, ele desliga, ele trava. Aí acaba desligando o PC. Mas aí como que eu faço? Tipo, é aquele envolver, esquema que eu te falei lá. É zero fio. Tá daquele jeito. Ah, mas aí matar na espada é foda, né? Tem que esperar juntar um monte, daí fica juntando um monte de esqueleto pra matar, porque você matar um por um não vale a pena, daí ficar matando um. Prefiro automático é melhor. MFT, David. Eu ia puteando no caminho. MFT. Sei lá. Não tenho a mínima ideia. Coladinho roxo. Ah, não. Isso aí você tá vendo arquivos aí. Não tem nada a ver, não. Se você ver se tem bad no HD, você tem que usar o HD Tune daí. Não tem nada a ver, não. O quê? Isso aí não tem nada a ver, isso aí é os arquivos, é tipo de arquivo só que ele tá mostrando aí. Você vê se o HD tem bad ou não, você tem que usar o HD Tune. É só baixar isso? É, o HD Tune, daí vai demorar pra verificar, tem que deixar, demora um maior tempão. Mas 5 horas, né? Depende da velocidade do HD. Caramba, mano, não cresce logo o bagulho. Eu só peguei 7, só tudo isso. Muita madeira. Faz slab. Slab a gente economiza. E o pior é o Minecraft, que é só o Minecraft que tava bugando. Tá bugando ainda.
Cara, tira isso aqui e faz slab, mano. Na moral, você... Ah, depois quando você tiver tempo, você manda esse link. Fazer slab, pô. E aí economiza, a gente gasta menos. Pra ficar usando esse aqui, né? É. Usar o bloco inteiro não dá, daí usa slab aqui. Não é parede? É chão? Né não? É. Vou jogar aí no Dike, não precisa de internet. Internet tá ruim mesmo? É, amanhã tem o Watch Dogs, eu vou baixar já o Watch Dogs que eu tenho lá. Eu vou baixar o Watch Dogs. Mas se você já tem, por que você vai pegar da Epic? Porque é o 2 que eu tenho. Ah, é o 2. Oh. Quem que gritou aí? Ó, oh, Tug. Quem? Sei não. Quem fedia? Quem? Sete Tag. Dias? Quê? Dias? Ah. Como é que escreve essa palavra? Dias? Noite. Cara, o cara já vai começar a falar do bagulho que nós tava falando de manhã, cara. Olha só que coisa, hein? Tá vendo? Que coisa, não. Cara. Isso é foda, né? Para de falar dele, David. O Tag tá aí. Preconceito, viu? Ó, o preconceito. Não vou iluminar com luminárias iluminadas. Vou colocar a iluminação aqui. É, eu tenho que fazer com tocha, logicamente, porque senão vou gastar minhas pedras luminosas à toa. Aí não dá, né? Multiplica. Minhas... Vai lá no mar e multiplica. Ah, não. Eu tô de boa. Multiplica. Gastar mó tempo pra isso daí? Esse cara é um brincante. Esse cara é um brincante? Esse cara é um brincante, mesmo. Né? Ah. Brincante, tchê. Que é um brincante, tchê? Vocês são muito brincante. Agora eu tô fazendo minha armadura de novo. Você tá fazendo brincante? Né? Você tá brincante hoje? Ele tá muito brincante, é. Tô brincante, cara. Para de ser brincante, velho. Brincante, tchê. Vocês é muito brincante. Tô ouvindo a chuva. Não. São Paulo não chove, carai. São Paulo alaga. É lago natural. É, não é verdade? Oxe, não tô mentindo. Não tô mentindo. Tô mentindo? Eu não tô mentindo. Tá nada. É preparação pro próximo de dilúvio. Né? É. Treinamento pro dilúvio. Eita caralho. É mesmo, tem que fazer isso aqui primeiro, daí depois fazer. Ô, jeito, jogar State of the King, né? O 2? 2 horas de loading pra entrar no. É, mas eu baixei já o bagulho lá do... O que saiu novo no Game Pass. Eu já tenho o jogo, mas eu baixei a versão do Game Pass. Eu não tenho Game Pass, eu não tenho mais Game Pass. E dá, não assina? Não paga? Mas eu não vou querer pagar. Quase nem uso, eu compro. Então, não usa fazer, porque... Cara. Não, não usando, você não usava porque os outros tinham, você pode jogar o jogo lá e não jogava o jogo, falava pra baixar, a gente baixava e não jogava? Não adianta? Adianta, pô. Aí não adianta nada, né? Lógico que adianta. Apesar que eu tenho o Game Pass e o Live Gold não tô usando.